Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Thank you.
Emmanuel, te sens joli. Emmanuel, nous t'adorons. Nul autre n'est semblable à toi. Sois loué à jamais. Sois exalté éternellement. Yondetina. Tosangani. Natongwale lo bizika. Tomi retrouvé. Ndakuna biso. Yondetina yakosangana. C'est toi la raison de notre réunion. Partout nous sommes réunis pour te t'écouter. C'est toi la raison. Merci. Attendo. Parce que yonde yonso. Parce que c'est toi qui es tout. Yonde nzela, yonde vérité, yonde bomoi. C'est toi le chemin, la vérité, la vie. Yonde kimia na biso esengo na biso. C'est toi notre paix, notre joie. Yonde makasi na biso. C'est toi notre force. Merci pour tout. Attendo pona nyonso. Merci pour le témoignage de tout ce que tu fais dans nos vies. Matondo bona matato lianyoso sosa la mumo ina miso. Tukuma benio. Nous t'adorons. Matongo alelo. Ce matin, dengi tozoko. Dès que nous continuons, lobela biso. Parle-nous. Fongola bi misu na biso ya molimo. Ouvre nos yeux spirituels. Tososola. Afin que nous comprenions ce qui est caché dans ta parole. Et nous gérons toute la gloire. Et nous exercerons le au nom de Jésus. Merci, papa. Attends de ta Jésus, de Jésus, partout nous sommes. Reste calme, écoute la parole de vie. Vendredi, tu m'as dit que l'Oba, que banani ba descendant ya Abraham. Depuis le vendredi, nous avions commencé à parler concernant la vraie descendance d'Abraham. Quelqu'un peut me poser la question? Bien-aimé, sont détruits faute de la connaissance. Savoir d'où il vient pour bien connaître où il va. Ce qui m'ont yébité biska outi à kokokate koyeba azokende wapi. Si tu ne connais pas ton origine, ta source, tu ne sauras pas non plus connaître ta destination. Alléluia. Amen. Seigneur, il faut que nous puissions connaître. Alléluia. Amen. Parce que manque de connaissances. C'est ce qui anéantit nombreuses destinées. Alléluia. Nous avions vu nous avions vu des indices qui nous prouvent qui sont les vrais descendants d'Abraham. Dans notre partage vendredi. De vendredi. Tomonaki abatia Genèse chapitre 17. Nous avions vu depuis Genèse chapitre 17. Abraham, c'est ici Dieu a dit Abraham, l'alliance entre moi et toi. Pas seulement entre moi, mais entre moi et toi et ta génération en perpétuité. Signe alliance nabiso yangoyo. Voici le signe de notre alliance. On circoncira tout mal. Tout enfant mal sera circoncis. C'est l'un des signes pour connaître qui sont les vrais descendants d'Abraham. Ils sont sur la terre. Bazali na mokili yawa. Yango, moko ya bitumba ya raswana. Voilà pourquoi c'est l'un des combats de cette race. Oui, batama. Ce qui est caché des hommes, personne n'est plus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Connaître ton identité sous le soleil, c'est très important. Et joue un rôle, mon ami. Ça joue un grand rôle. Aujourd'hui, nous continuons. Dès que je l'avais dit la fois passée,
pourquoi s'adresser à certains peuples en tant que mon peuple? Même Paul à Lobiango, même Paul à Romain, dans le livre de Romain. Na kolinga totanga kuna lelo to démarrer à petit de là. Konza tozo tala aujourd'hui, na koza la direct direct. Ba indice que nous sommes des enfants, des descendants d'Abraham. Aujourd'hui, nous verrons les indices qui prouvent à suffisance que bisonde ba kitania Abraham nante. Romains chapitre 1 verset 16 to baniwa. Romains chapitre 1er verset 16. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 1er verset 16. Romains chapitre 1er verset 16 version Darby. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux juifs premièrement et aux grecs. So, aux juifs premièrement. Amen. Aux juifs premièrement. Mais tout en guide de mon, Osée 4 à 6, Esaïe 5, 13, Alobi, mon peuple sont allés en captivité. Mon peuple sont détruits parce qu'il n'y a pas de connaissance. Ici, dans Romain, Alobi, aux juifs premièrement. Babenga Yesu, le roi des juifs. Et Abraham, c'est un juif. Abraham a zala ki moyuda. Donc on a qui était inzamba lobi, batonanga ibarokene na baomu, batonanga barokufa, bona kozanga boebi. Ah, pe pola lobi, liboso bayuda. So il y a des juifs. Bayuda bazali. Des vrais juifs. Bayuda ya solo. Mais le lot, il y a des confusions. Na ba juif, bangoma ko baza komiye ba lisusu. Aujourd'hui, la confusion est tellement grande que même les juifs eux-mêmes ne savent pas reconnaître qui ils sont. Bah, descendants d'Abraham. Les vrais descendants d'Abraham. Bah, oh, Yosambi a choisi. Oh, Yosambi a pamboli ma belle là-bas. Le peuple que Dieu a choisi, le peuple dont Dieu a béni la terre. Tokomona, Babiloko nini Zambi a lobi, a tchena, Babele a pamboli bango. Tokomona, Angolelo. Pona ko prouver. Amen. Alléluia. Romains chapitre 1 verset 16 version Lingala. Nazali na sonité pona sango malamu. Pambate ezalinguya ya Nzambe pona lobiko ya batonyo so oyo bandimaka. Liboso pona bayuda. Pesima pona bato ya bikolo ya bapaya. OK. Liboso pona bayuda, pesima pona bikolo ya bapaya. Bayuda. Premièrement les juifs. Abraham Aza Muyuda. Abraham était un juif. Moïse. Moïse. Muyuda. Muyuda. Samson. Muyuda. Et Jésus a bimi na lignée wana. Et Jésus est sorti de cette lignée là. Alléluia. Amen. Na ligna ibse ndeko. J'aimerais te dire bien-aimé. Batuana bazali. Ce peuple existe encore. Et tous abarraswan. Et nous sommes ce peuple. Alléluia. Amen. Comment on a lu dans chapitre 2 verset 10, Romains toujours chapitre 2 verset 10. Toujours dans la lettre de Paul aux Romains chapitre 2 verset 10. Romains chapitre 2 verset 10. Mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Aux Juifs premièrement et aux Grecs. Pourquoi aux Juifs? Bango ne bape si bango oracle. Amen. Alléluia. Romains chapitre 2 verset. Yango moni lelo. Voilà pourquoi aujourd'hui batu oyo ba komiko sambela mingi na se a moyi. Bazaba noir. Et batu nyonso oyo l'église le plus grand du monde. Kaka ba noir. Oyo le tayo banani bazaba bayuda. Nazo nous allons décortiquer ça aujourd'hui. Vous verrez sous le soleil aujourd'hui, le peuple qui adore plus Dieu, c'est le peuple noir. Et le peuple qui a les plus grandes assemblées, c'est le peuple noir. Ok. Romains chapitre 2, verset 10, version Lingala Alelo. Kasi batonyo soyo basala kama kambo ya malamu, nzambe akope sa bangon kembo, lokumu beboboto. Liboso bayuda, nasima bato ya bikolo mosusu. So bazali. Ils existent. Mon peuple sont détruits parce qu'ils manquent. Ils manquent la connaissance. Ce que vous entendez par le Nouveau Testament. Si vous lisez le Nouveau Testament. Et ça l'obéit naïe d'abord. Bona.
peuple Israël, les perdus, peuple Israël qui sont perdus, aille d'abord pour Nabango, d'abord. Jésus a dit qu'il est venu d'abord pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Même Mawaki aujourd'hui, mais c'est pitoyable que ce peuple a perdu son identité. Selon la parole de Dieu, tout en guinant Apocalypse 2, verset 9 et 3, verset 9. Nous allons encore lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Apocalypse, chapitre 2, verset 9, version Darby. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et l'outrage de ceux qui se disent être juifs et ils ne le sont pas. Voilà. Mais ils sont la synagogue de Satan. Ils sont la synagogue de Satan. Balobi bazaba Yuda mais bazaba Yuda te. Ils disent qu'ils sont juifs mais ils ne le sont pas. Voilà. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire le verset 9 version Lingala Yalelo. Verset 9. Nayebi ndenge bozali komona pasi pe kokelela kasi bozali penza na bomengo. Nayebi ndenge bazali kotonga bino na ba oyo balobaka te bazali bayuda. Nzoka nde bazali bayuda te kasi bazali lingomba ya Satana. Alléluia. Amen. Bazo mona ke tozo kelela penza malgré tozoza na bomengo nyonso. Bien que nous avons toute la richesse, mais nous sommes dans la difficulté. Apocalypse chapitre 2, verset 9, version Lingala Alelo. Naye bindenge bozali komona pasi, peto kelela, kasi bozali penza na bomengo. Naye bindenge bazali kotonga bino, na ba oyo balobaka te, bazali ba yuda, kasi bazali lingomba ya Satana. Voilà. Version Darby. Merci. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Mais tu es riche. Pour ayebi richesse avase na mabele bisika baza. Et na kota za denga lobi na ko mema bino na mboka. Oyo eze fuluka na le na miel. Naba cuivre. Amen. Il a dit ayebi alobi na yebi ke boza riche malgré que vous êtes dans la pauvreté mais na yebi. Amen. Toujours tracé banani ba descendant d'Abraham noir sur blanc. Apocalypse chapitre 2 verset 9 version parole vivante. Je connais ton épreuve, ta détresse et la pauvreté dans laquelle tu vis. Oui. Et pourtant, en fait, tu y es riche. Voilà. Banani wana. Afrique noire. Afrique, c'est clair. Je suis aussi au courant des calomnies répandues sur ton compte. Va. Par ceux qui se prétendent les peuples élus de Dieu. Qui ne sont pas. Sans l'être en réalité. Car ils ne sont autre chose qu'une synagogue de Satan. Exactement. Les bien dit. Clair. Olélé. Alléluia. Amen. Nalinaïf, c'est ok. Le nom Afrique. Bomboyo Afrique. En réalité. Na solo. C'est Akelboulan. Akelboulan. Qui signifie mère de l'humanité ou jardin d'Eden. Nenge na monoko na ngwe ebandeli elakisi nde esika mokili ebanda tope elanga na Edeni. Bango moko babengaka Afrique le berceau de l'humanité. Le mot berceau elobi nini origine. N'est-ce pas? Amen. Bango moko bazobenga Afrika esika mokili ebanda esika mokili ebotama l'origine de l'humanité. Ebandeli ya mokili. Va changer en gros. Le nom Afrique en réalité c'est Akelboulan. Qui signifie mère de l'humanité ou jardin d'Eden. Oh là qui si esika mokili ebanda tope elanga na Edeni. Tout c'est ici. Nyonso ezali awa.
bakoko na bisonde basala ba guitar oyebine basalaka na poso ya nyama bakati basali guitar basali ba basente sente uyunso e bandi awa tu ici ba drum kon tamtam yoso e bandi awa depuis bo mana biso kutu to salaka uzi poso lati sango na na cantine e bandi yoso e bandi wa ezala tout est bandit à Wana, Afrique, civilisation est bandit. Tout a commencé ici, les instruments de musique, tout ce que nous pouvons voir, ce qui est moderne aujourd'hui, tire son origine de l'Afrique. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Oui. So, il faut que tu saches. Origine Nayo. Quelle est ton origine? Pour que tu vois clair ta destination. Cette parole est pleine de l'histoire de l'homme noir. L'iloba oyo totangaka ezandeli solo ya moto mwindo. Alléluia. Continue. Apocalypse chapitre 3 verset 9 version Darby. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Alléluia. Amen. Version Lingala et Alélo. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Bato ya lingomba ya Satan, oyo bato sakate bazali ba Yuda, na kosala te ba ya kofuka mana makolo na bino, boye, bato ya batengai na linga kabino. Eki. Bako saka. Il ment. Que baza ba Yuda. Ils sont des juifs. Et baza ba Yuda te. Or en réalité, ils ne le sont pas. Bien aimé. Molingami. Il est des bandits et belés au talisayo que l'homme noir. Les amis l'embo et belés au talisayo que moto mwindo. Et le descendant d'Abraham. Azali, moana ya Abraham nandenge ya nzoto. Alléluia. Amen. On parle pas de nandenge ya nzoto. Et bazo existé jusqu'à aujourd'hui. Yangwazo, mon peuple. Mon peuple, cette phrase est qu'il y a un peuple au Zambéaponi. Nous ne parlons mise pas à part de l'aspect spirituel. Mise à part. Mais nous parlons de l'aspect physique. Ils ont un bateau moko au Zambé à Zui. A comme ici, Bango Batonaye, Béatier Bango Pembe, Niabombi Bango Ponaye Moko. Yango Tosota là-bas, un 10. Bezota Sabiso. Bazaba. Nan. Voilà pourquoi nous voyons ces indices pour nous prouver qui est ce peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Molingami. Et Sengeli. Il faut obligatoirement. Omieba. Ozanani. Il faut que tu saches qui tu es. Oza descendant ya na. De qui es-tu fils? De qui es-tu descendant? Et Belé. Baza komieba te. Nombreux ne se connaissent pas. Et de cette manque de connaissance, il meurt. Alléluia. Amen. Il ne jouisse pas de ce dont il devait jouir. Mm-hmm. Je prie tel que tu entends ces choses. Que tes yeux de la compréhension soient illuminés. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous lisons. Dans Deutéronome chapitre 8. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8e. To komona. Nous verrons. Biska alobiazo mema bango. Là où il a dit qu'il est conduisé. Deutéronome 8, verset 9. Deutéronome chapitre 8, à partir du 9e verset. Autant ganga et version préparée, version français courant et version semain. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 10. Mboka Zambia lobiazo me ma banco. Tozo katango mkuse. Albi ezamboka oyo. C'est un pays. Tanga. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté. Nakolinga okeni na verset 7. Oh bon compréhension verset 7. Verset 7. Car l'Éternel ton Dieu te fait entrer dans un bon pays. Un pays de ruisseaux d'eau. Ok. Des sources
et d'eau profonde. Réfléchissez vous-même. Parlons aujourd'hui quel pays. Car l'Éternel ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources et d'eau profonde qui sont dans les vallées et dans les montagnes. Verset 8. Un pays de froment et d'orge et de vignes et de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers à huile et de miel. 9. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. 10. Okay. Verset 10. Sukawana. Yes. Version française. Verset 10. Sukana, verset 10. Verset 10. Et tu mangeras et tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu à cause du bon pays qu'il t'a donné. Amen. Moni. Amen. Alléluia. Mboka lobi azo mema bango ya. Le pays dans lequel il a dit qu'il les conduisait. Alléluia. Mais place bango bazo loba ke eza, ce n'est pas ça parce que biloko yoso yo eza kunate ezande awa. Toutes ces choses ne sont pas là-bas mais plutôt ici. Yango de bitumba. Voilà pourquoi Afrique est au monde. Le défi. Bobo sana teke na ebandeli, Zambia sali ba carte géographique te. Mutunde a créé a kati awa, kati awa, kati awa. Mais ba oyo baza ba Yuda. Ba panzani yango komuna ba mabele na bango nyonso denge ya lobi etondi sami na ba richesse na ba bozwi. Amen. C'est pour cela Afrique noire est le plus riche continent du monde. Afrique noire yango nde eza continent etondi na bomengo mingi koleka ya mokili mobimba. Soki otali makambo ekomami awa okomona ke etondi awa na Congo na biso sutu na est kuna eza wana montant. Cuivre, c'est l'invasion français courant. Version français courant de Deutéronome chapitre 8 à partir de verset 7. Verset 7. Le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs, dans la plaine ou dans la montagne. Verset 8. C'est un pays où pousse le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier. Un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Verset 9. Le pain ne vous y sera pas rationné. Vous n'y manquerez de rien. De ces rochers, on peut extraire du fer. Et de ces montagnes, du cuivre. De ces montagnes, du cuivre. Cuivre, cuivre et zawapi. Eza wapi? Na RDC en Afrique. Eze belé wapi? Awa. Yes. Na RDC en Afrique. Yes. Alléluia. Amen. Et ok, kuna na kote a Kivu koma kuna eza ba montant ezika wanande bazo bimisa. C'est là qu'on extrait du cuivre. Et Apocalypse, ils sont des juifs, mais ils sont des menteurs. Apocalypse dit que Balobi baza ba Yuda kasi baza ba tuya lokuta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, okoko mona ke place Zambia Balobi azo mema ba peuple na ye. Tu peux voir là où Dieu dit qu'il conduit son peuple. Alléluia. Amen. Tozana ba indice ebele ezo prouver que Afrique noire. Nous avons nombreux indices qui prouvent à suffisance que l'Afrique est noire. Et si Kaba peuple est Zambé, Baza. C'est là où c'est tout Zambé Aponi. C'est selon la chair, Ba peuple, Ba descendant d'Abraham. La descendance d'Abraham, selon la chair. Version semeur. Version semeur, Deutéronome chapitre 8, verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un pays. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, plein de sources d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. Verset 8. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, le figuier et les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel. 9. Où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer, et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Extraire du cuivre des montagnes. Ça se trouve. Ça se trouve où? Yes. Ça se trouve où? Ici en RDC en Afrique. Voilà.
Verset 10. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Alléluia. Yangon à l'Apocalypse, Alobi, je sais que tu es riche, mais pauvre. Ayebi. Il sait. Alléluia. Est-ce que Lingala Botaï Lingala? Version Lingala Yalelo, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 8, verset 7 à 10. Verset 7. Yahweh Nzambe na bino akokoti sabino na mboka moko ya kitoko. Akokoti sabino. Ozomona. Yahweh Nzambe na bino, mon peuple, il y a des peuples de Dieu. Yahweh Nzambe na bino akokoti sabino na mboka moko ya kitoko. Avant to yebi biloko ete melelo to yebi. Amen. Esika mai elekaka epai na epai. Pe ebimaka na se ya mabele. Ezala likolo ya bangomba to na se na yango. Verset 8. Mboka yango ezali na bilanga ebele ya blé, ya orge, ya vino, ya figi, ya grenade, etonda pe na mafuta ya olive pe ya nzoi. Verset 9. Est-ce que ezali wapi? Ah. Continue. Verset 9. Kuna bokozala na mapa pepo. Bokozanga eloko moko te. Bibende ezali na kati ya mabanga na yango, pe cuivre ezali epai ya bangomba na yango. Cuivre ezali epai ya bangomba na yango. Abazo estre cuivre wapi? Na bangomba kuna clair. Amen. Piska ba peuple ezambe baza yango de moko ya bitumba. C'est l'une des raisons du défi qui s'oppose à l'Afrique noire. J'aimerais que l'intelligence de nombreuses personnes soit illuminée. Ce n'est pas normal que toi, enfant, tu puisses tuer ton père et ta mère. Afrique est le père et le mère de l'humanité. Scientifiquement, c'est impossible. Race mon soussou, abota moana mouindou. Mais c'est possible. L'homme noir et femme noire ensemble, aboti, oyo eleki 300 degrés plus. Koleka mondele. C'est impossible qu'une autre race puisse enfanter un enfant noir, mais c'est plus que possible que deux parents noirs puissent enfanter ceux qui sont des noirs. Les clients sont bazaba noirs, Abraham, Jacob, Noé, tous ces mondes, bazaba tout mouindou, bazaba race ya Abraham. Ces personnages bibliques que nous connaissons, Abraham, Noé, tout le monde, ce sont des peuples noirs. Alléluia. Amen. Tokeina Deutéronome tout le monde, peuple de Dieu. Deutéronome chapitre 29. Alléluia. Bonjour dans le livre de Deutéronome cette fois-ci. Verset 8 à 15. Chapitre 29, verset 8 à 15. Oui. 8 à 15, version Darby. Obéissez aux clauses de cette alliance et appliquez-le, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprendrez. Version Lingala, Deutéronome 29, verset 8. Yango wana bosengeli ko salela kamibeko ya boyokani oyo po bozala kolonga na makambo nyonso bokobanda kosala. Verset 9. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, chefs des tribus, responsables, officiers et tous les hommes d'Israël. 9. Ba Israélites, dix, vos enfants, vos femmes et les étrangers qui sont parmi vous dans vos camps et qui coupent les bois ou qui puisent de l'eau pour vous sont aussi là. Dix, banana basi na bino, kutuna bapaya oyo bazali na kati na bino. Onze, vous êtes là pour entrer dans l'alliance que l'Éternel votre Dieu veut conclure. Il y a un peuple Dieu en train d'adresser ici. Amen. Ok, continue. Onze, vous êtes là pour entrer dans l'alliance que l'Éternel votre Dieu veut conclure aujourd'hui avec vous, avec imprécation. Douze. Afin que vous soyez son peuple. Vous soyez son peuple.
et qui soit lui-même votre Dieu. Ici, il ne parle pas à tout le monde, il parle à certains peuples. Afin que vous soyez son peuple et qu'il soit lui-même votre Dieu, comme il vous l'a annoncé et comme il l'a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Mon est attendu Abraham ici et na lobi les vrais descendants d'Abraham. Makam tsulba pour iba ke biso des ba vrais descendants ya Abraham. Amen. Continue. Verset 12 version Lingala. Boye botozala ekolo na ye. Paye a kozala nzambe na bino. Ndenge alaka ki bino. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham a zakoko na biso tellement que ce qui otangi Biblia et puis que namboka na biso awa tozana eloko to benga ka kinchwidi. Abraham a sali kinchwidi. Amen. C'est-à-dire abali ser na ye cousin, soki cousin, soki cousin abali. Alléluia. Amen. Endekoya. So you want to esa esa le makana Afrique même na Nigeria isali awa pe isali kinchuidi po babilo ko ibeli uzo tanga na Bible ba kutin biblique uzo muna soki o compare yango eso tal sake esa biso banwa Bible esa histoire de l'homme noir. Amen. Un point entre. Et si vous voyez même le mariage d'Abraham, Abraham avait un mariage incestueux tel qu'il se passe aujourd'hui en RDC, au Nigeria et partout ailleurs en Afrique noire. La Bible, c'est l'histoire du peuple noir, pas ajouté par étranger. Continue. Verset 13 et 14. Ce n'est pas avec vous seul que je conclue cette alliance avec imprécation. 14. Elle concerne non seulement ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous et se tiennent devant l'Éternel notre Dieu, mais aussi tous ceux qui ne sont pas encore là. Alléluia. Boyokani oyo nazali kolobana bino, bosa la paix bokata seleka na yango. Ezali kaka pona bino mokote. Kasi etali pe biso bato tozali awa sikoyo liboso ya Yahweh Nzambe na biso pe ba oyo bakoya sima. Alléluia. Amen. Sozomuna ke Dieu ici dans cette place tout tangi, azo référé na batu moko batu na ye et atangi comme Abraham et nous tous a descendants ya Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham selon la chair. Praise the name of Jesus. Alléluia. L'Afrique. Afrique. Le berceau de l'humanité. L'origine. Akela Bolom. Hein? L'origine. Afrique, Akeboulan. Akeboulan. Qui signifie mère de l'humanité ou jardin d'Éden. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Nous allons quelques indices. Nous allons voir quelques indices. Lobby, na meki kotanga lelo tozotanga goli susu. La fois passée, nous avions essayé de lire Ésaïe chapitre 44. À le livre d'Ésaïe chapitre 44. Oui. Durant le prophète Ésaïe chapitre 44 verset 9. Ésaïe chapitre 44 verset 9. Personne s'est meurt. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néant, et leurs plus belles œuvres ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien. Et ils ne savent rien. Ils rougiront de honte. 10. À quoi bon faire un dieu couler une statue qui n'est d'aucun profit? 11. Voici, leurs fidèles seront couverts de honte. Car ce qu'ils les ont fait ne sont que des humains. Qu'ils se ressemblent tous et qu'ils se tiennent là. Ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son burin, les passe dans le braise et à coups de marteau façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie. Et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. 13. Et voici le sculpteur. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis avec les ciseaux, il exécute et il la dessine au compas. Nazo tunayo oyebike totangi na
dimanche, na vendredi kutu na biso, tutangi na Exode. Le vendredi nous avions lu dans le livre d'Exode. Na chapitre 26, je me trompe pas, Exode 23, 5, aïpsi bango, bosala bike komokote o ezo porte soit et loko et outi likolo na lola ou anase no alingite azo pixa bana na ye le loso totali na mokili banani basala kabikeko dans le monde quel peuple sculpteur des statues apex biso yoso wana ba désobéissance ezo laxake toza peza ba yuda. Et tout cela nous prouve à suffisance que nous sommes. Vendredi to tanya umena zongila ngote mi alobi soki boko to sangai boko landa oyonga na lobi na ko tombula bino koleka ba peuple yonso sur la terre. Mais je peux citer voici ba malédiction et to tanya ngola fapa to monike alobi ba komema bana na bino na bombu ba ko tie bango singa ya libende ba fe Duc de fer na kingo ba ubenga mangona banani ba memi kaka biso oyo pour nga kutalisa yoke biso nde ba descendant Abraham awa tozo muna ngo makambo ya bibikeko banani basala kana sia moyi kaka biso ba mdele ba yaka ba linga kango ba sobaka oh zambia peksi. Oh, amen. Ici nous voyons concernant les statues que Dieu a interdites et c'est le peuple noir qui sculpte les statues. Continuez. Verset 13. Et voici les sculpteurs. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis avec le ciseau, il exécute et il la dessine au compas. Il la façonne ainsi d'après la forme humaine et la ressemblance d'un homme magnifique pour qu'elle habite un temple. 14. Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou d'une chêne qu'il a laissé devenir bien robuste parmi les arbres de forêt. Ou bien il prend un pain qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. 15. Or, l'homme se sert de ses bois pour le brûler. Il en prend une part pour se chauffer. Il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu. Il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. 16. La moitié de ses bois, il a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. Il prend aussi une part de ses bois pour se chauffer et dit qu'il fait bon avoir chaud et voit la belle flamme. 17. Quant au reste du bois, il en fait une idole, il la prend pour son Dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit « Délivre-moi !» Car toi tu es mon Dieu. 18. Ils sont sans connaissance. Ils ne comprennent rien. Ils sont sans connaissance. Mon peuple est sans détruit. Il faut des connaissances. Ils sont sans connaissance. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas d'intelligence. Ils ont bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas. Ils ont fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas. 19. Aucun ne réfléchit. N'a de savoir, ni assez de raisons pour se dire en lui-même, j'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu. J'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois. J'ai rôti de la viande dont je me suis nourri. Et de ce qui restait, j'ai fait une abomination. Je me suis prosterné devant un bout de bois. 20. Il s'est repaît des cendres, car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Il ne saura pas sa vie et ne dira jamais ce que je tiens en main n'est pas une tromperie. N'est-ce pas une tromperie? Voilà. Amen. Arrête là-bas. Alléluia. Amen. Osomuna. Vous voyez? Banani n'a posé question. N'a se amoyo banani biska baza et papoué na mokili. Banani basalaka bikeko. Qui sculpte les statues? Oh, apexi bango na Exode 3. Oh, il est interdit dans Exode 3. Même na 10 commandements à lobi ango. Même dans les 10 commandements, il a dit. Bino ba bosala yango. N'essayez pas de le faire. Ba indi swa nezo ta isa biso banani ba race ya Abraham. Ésaïe 44 à partir de verset 13. Version Lingala ya lelo. Moto oyo asala akabikeko na nzete akamataka singa mpo na kozwa monene mpe molai ya ekeko na ye atiaka nzela ya pembe asalaka mosala na ye na mbeli mpe abongisaka yango na limu
akomisaka yango lokola moto moko ya elongi kitoko sima babikaka yango na kati ya ndako kuna ekotele makaka pamba 14 banzete wana bato bakataka yango na kati ya zamba ezala nzete ya cèdre ya cypre to nzete mosusu ya monene mbala mosusu bango moko bakonaka nzete pe bazelaka ti tango mbula ekokolisa yango 15 soki bakati nzete moko bakamataka eteni na yango mpo na kopelisa moto ezala mpo na koyotela to mpo na kosalela mapa mpe eteni mosusu bakamataka yango mpo na kosala nzambe ya ekeko bafukamelaka yango bangumbamelaka yango elongi na se verset 16 ya solo basalaka bongo bazikisaka eteni moko ya nzete yango na moto mpo na kotumba yango nyama oyo baliaka ndenge balingi to mpo na koyotela yango mpe balobaka oyo nde esengo na ndenge moto ezali kokotela biso 17 eteni mosusu ya nzete basalelaka yango ekeko ya nzambe bafukamelaka yango mpe basambelaka boye oyo ozali nzambe na biso bikisa biso 18 bato yango bazanga mayele bazali na makanisi te miso na bango ekangama bamonaka ata eloko moko te mpe mayele na bango ezali mokuse bayebaka ata eloko moko te 19 ata moto moko te na kati na bango azali na likanisi ya malamu mpe na mayele ya koloba nazikisi eteni moko ya nzete nasaleli yango lipa na ngai mpe natumbeli yango nyama oyo nazali kolia nsima nakamati eteni ya nzete oyo etikalaki nasaleli yango ekeko boye namoni te ekeko yango ezali bobele eloko ya mabe mpe ya soni merci kata yango kaka wana me tozotala banani bazalaka bikeko nous voyons qui sculpte les statues biso banoa nous les noirs ok toyebi na histoire ya biblia ke samson abomi lion. Nous savons dans l'histoire de la Bible que Samson a tué un lion. J'aimerais te dire. Lion, ba bête sauvage, originalement, les bêtes sauvages se trouvent où? Je te pose la question. Banyama yamabe, banyama oyoana yamabe, bazalaka mingi wapi? En Afrique. C'est-à-dire Samson azalaki awa na mabele Afrique. Samson était sur la terre africaine. Na ba parents na ye. Ainsi que ses parents. Zomona. Voyez. Abomi lion na maboko. Il a tué le lion à main nue. So. Et suki ya Samson ezaya ba Rastaman Nazareth Rasta. Suki ya mususu wana ezalaka bongote kaka. So pour mona ke na Samson c'est azamutu mwindo. Et même sa chevelure était comme des Rasta. Ils avaient des tresses de Nazaréens pour prouver à suffisance. David a abomé l'ours naba lion. David a tué l'ours et le lion. Babet sauvage baza trouvé wapi kakawa. C'est bête ici. Soki omoni yango na bazou na banini kuna ba memi yango abatia watili na mboka ya libanda. Ça se trouve seulement en Afrique tous les bêtes sauvages. Et tango zambe azo mema bana Israël bina zo mema bino na mboka oyo etoni na miel na mile. Albi nakomema bino na nzela ya mukuse bolingi oyo te nazomema bino na nzela ya mulai parce que banyama mabe babe sauvage bazali bakokolia bino so po yeba ke Afrique awa nde esika ba peuple de Dieu baza pour savoir que l'Afrique c'est où se trouve le peuple de Dieu. Puis il les conduisit hors d'Égypte vers la terre promise. Il leur a dit, certes il y a un raccourci, mais je vais vous faire passer par un chemin détourné pour éviter les bêtes sauvages qui sont en chemin. Ce que t'as dit Jude 14 verset 5 et 6 est comme un Samson abomine lion. Au Tangi 1 Samuel 17 34 à 37 David paye d'engimoko. So batuyon soyo bazaba koko na biso. Toutes ces personnes sont nos ancêtres. Alléluia. Tanga pona ngai kaka moko lingala une fois pongonga na ngai ke. Juge chapitre 14 verset 5 à 6. Et Samson descendit à Timna avec son père et sa mère. Et ils arrivèrent jusqu'aux vignes de Timna. Et voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. 6.
Et l'Esprit de l'Éternel les saisit. Et il les déchira comme on déchire un chevreau, quoique il n'y ait rien en sa main. Alléluia. Et il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. So, Samson, Aza, Awana, Mabeleya, Afrique. Parce que seulement ici se trouvent les bêtes sauvages. Juge chapitre 14, versets 5 et 6, version Lingala et Alelo. Verset 5. Bongo Samson na baboti na eba kei na timna. Tango bakomi na bilanga ya vino oyo ezali pene pene ya mboka yango. Mwa na tambo moko e pumbwe li Samson na kanda nyonso. Verset 6. Molimo ya yawe akote li Samson. Pena maboko pamba apasoli tambo yango ndenge bapasola ka mwa na taba. Kasi ya ebi saki li kambo yango na baboti na yende. Alléluia. Amen. Ok. Un autre indice. Elembo mususu. Eli. Elia. Koko na biso mususu. Un autre de nos ancêtres. Dans 1 roi 17, verset 1 et 2. A Kangimbula. Banani ba Kangambula naturellement. Ils peuvent biso naturellement batu, arrêter la pluie. Mind. Biso batu. Mind. Le peuple noir. Alléluia. Amen. Ozo sa la cérémonie bako tindambula soit ba Kangimbula. Amen. Alléluia. Et c'est le coup de la pamba pamba. Même ici, on a besoin de la pamba pamba. C'est ce qu'ils font. Ils sont yo et ça indice que la qui ok. Bisonde ba Yuda. Tout cela sont des indices pour nous prouver que c'est nous les juifs. Elia lobi mboule ko betate pendant 3 ans et demi. Sinon, à ma parole. Elia lobi, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon, à ma parole. So, Elie Aza. Mutu mwindu. Eli était un homme. Na bambole kaya mupaya kuna. Est-ce que bango ba yebi kukangambula denge ya naturellement? Non, ezalakate. Alléluia. Et aussi, Otali Moïse, un autre indice. Un autre indice, Moïse. Na Exode 4, 6. Tanga pour l'analyse. Nous allons encore lire dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 6. Verset 6, version Darby. Et l'Éternel lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein et il la retira. Et voici sa main était lépreuse. Ok, ce so qui aza mounde le Moïse, c'est ce qui va l'exabiso dans le film depuis Boumouana. Tango amen, est-ce que Eko Mounana te, Eko Mounana, qui lèpre wana Eko Mounana, tanga li soutien à souka. Il la retira et voici sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Ok, blanche comme la neige. Moutou de Dieu, Azam Mundele blanche. Est-ce que c'est comme on en a? So, il faut que Ezalake Moïse, Azam Moutou Mouidou. Il y a un temps où Adje est comme Pembe, blanche comme la neige. Pour Nanini, Azam Moutou Mouidou. Posso Mouidou. C'est clair. Ce sont des indices esotériques que yo osa descendant ya Abraham. Et voilà pourquoi ma kamoyo sous tout ce monde. Ma belle oyo zambi alobi na kopambo la bana na yo. Ma belle na wango kopambo la na kopeza bango mboka kana ba kopambo la ma. Et kotunda na richesse. Ça c'est tout seulement ici. C'est pour cela Afrique noire c'est le plus riche continent na seya moi. Et le peuple à qui tu as promis de leur donner une terre bénie en toutes sortes de richesses, c'est l'Afrique noire. Et l'Afrique noire est la plus bénie de tous les continents. Alléluia. Amen. Ah. So, un autre indice. Et les mots sous. Dans Marc chapitre 4, verset 10. Tanga. Nous allons lire dans le livre de. Jésus a l'habitude de parler en parabole. Jésus, l'ingala bengi m'a cessé. Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Bango bayebi, bapayawana, est-ce que bayebi est le coup bengi m'a cessé? Non, ba koko na biso biso to kolingai na tangi na village na tangi ba memanga ba parents na bazana ville mais na tangi école na village ezala a partir maternelle ti na zala ki na internat so na koli na yebi makambo bele omoni ovandi na ba koko bwe bazo beta bino masese Yesu pe azana habitude kolobana masese. Marc chapitre 4 verset 10. Version Darby. Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui avec le 12 l'interrogèrent touchant la parabole. 11. Touchant la parabole. Yes. Parabole. Yesu azoloba en parabole. 11. Et il leur dit,
À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, toutes les choses se traitent par des paraboles. Alléluia. Vrai descendant selon Alain Zambé Salia Lubi, c'est ici où il y a Baba Nanayo. Huitième jour, Baba Katabango, Banamibali, Bangenga. Ils seront circoncis le huitième jour. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous continuons. Natikalina, 10 minutes, Tosalanokinoki. Il me reste environ 10 minutes, mais nous allons très vite. Ok. So, to moniango, tanga punanga papa na lingala. Version lingala, mokana na bomoi. Tango azalaki kaka ye moko, bapostolo zomi na mibale elongona batu oyo bazalaki kosinga ye, batuna kie pona masapo. Verset 11. Yesu alobaki na bango, sekele ya bokonzi ya nzambe epesameli bino. Kasi pona ba oyo bazali libanda makambo nyonso ekolobana na masapo. Masako. Masako elobi nini? Parabole. 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 Banani babeta ka parabole. Qui parle en parabole? Liso. Lingala mzuza lobi azolobana lisese. Alléluia. Amen. Bisonde tolobaka na parabole. Version Lingala Makanza. Marc chapitre 4 verset 10. Wana ejalaki ye bobele ye moko ba oyo bazalaki na ye ba jomi na mibale elongo batunie na tina ya masese. Na tina ya masese. Pona kotalisa yo ke nous sommes des descendants d'Abraham. Abraham aza pena biso et Yesu abimina linie wana. Prouver suffisance que biso de bana ya Abraham na ndenge ya nzoto pe Yesu abimika kana libota wana. Alléluia. Amen. Avec tous ces preuves na bilembo nyonso ozo yeba ke toza ba descendant ya Abraham biso batu ya poso mwindu. Et voilà le pourquoi nyonso poso mwindu azo mona denigre paso moni le pasi parce que to désobéi mibeko ya zambe na biso. Voilà pourquoi le peuple noir est dans la disette aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons à l'origine désobéi aux ordonnances de notre Dieu. J'espère que tout tanga ki vendredi passé na kyote banankake to moni Yesu a changé kombo ya bana mibale. A changé comme on a bango, a lobi, a commencé bango, fils de tonnerre, bwana jes. Lingala a lobi, oyo e lobi nini, bana kake. So, banani babeti sa kakake, indis moussousou yangona. Totangi li soussou. Luke 9, 54 et Marc 3, 17. Tozote la bande simple. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ou yiba, oza, descendant ya nan. Que tu saches aujourd'hui de qui es-tu descendant. Marc chapitre 3 verset 17. Verset d'Arbi. Et Jacques le fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques, il le surnomma Boanerges, ce qui est fils de tonnerre. Banani ba bet sakatonne. Nya ke le noir. Zakaka ba yindo ne ba kitira kake. So yeba ke oza descendant d'Abraham. Sache que tu es descendant d'Abraham. Version Lingala Marc chapitre 3 verset 17. Zaki mwana ya Zebede nande konaye Jean ba oyo Yesu apesaki bango kombo Boanerges elingi koloba bana ya kake. Elingi koloba bana ya kake. Kasonda to meisani yango ka kasonda 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 ba beti pe beti yo. So oye ba ke ba disciple ya Yesu wana baza banani batu mwindu. Parce que tu saches que parce que ba mpaya wana ba yimite ko betsa kake. Yo so moni ba mpa betsa kake. Parce que cela ne sait pas commander la foudre. Kake mystique ba ya bombo yo misi boum ko boum. Non, kake ya mystique. On parle de la foudre, c'est la foudre mais d'une manière mystique. So pour étaliser que
bayekolia Yesu baza batu mwindu na Pierre oyo aza pêcheur jet ton filet en plein l'eau abwaki akangi mambili etondi boato na bango ebaniko za omoni boato ngibasala kabako na biso so na Pierre aza motu mwindu même Pierre était un homme noir. Alléluia. Amen. Toutes ces choses exotalisa biso origine na biso ça ne prouve pas suffisance notre origine yango mabele na biso etondi na ba richesse de ngizambe la kaki Abraham. Voilà pourquoi notre terre fourmille en richesse telle que Dieu avait promis à Abraham. Et c'est ça le grand problème. Parce que Yesu est sorti de la lignée d'Abraham. Et balobi Afrique le berceau de l'humanité. Et balobi de Afrique en des singa mokili ba. Mais de l'humanité. Oya boti mokili mobimba. Adam et Eve sont des noirs. Adam na Eva bazaki ndé awa bazaki ba indo. Tanga. Luc chapitre 9, verset 54, Derby. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consume comme aussi fit Élie? Comme si. So, ils ont ma compréhension. Non, Élie peut à Salaka. Bah, mon yango, moto qui te outa l'icolo. So, bah, bengi bango bana. Kaki. Alléluia. Version Lingala, Luc 9, verset 54. Jacques na Yohani bamoni boye balobi mokonzi olingito kitisa kake poezi kisabango. Voilà babone les tikatos batomoki. Ils étaient énervés. Kaka bakoko na bisonde babeti saka kake. Seuls nos ancêtres pouvaient commander la foudre. Mais baba médiatisé depuis bon mwana bafu ba vidéo ba image ya Abraham mupaya moko boye nini poso moko tozo ye to mi bungi to bungi identité na biso melelo to mi ye bitoza ba banane. Ils ont fait un lavage de cerveau par la médiatisation depuis l'enfance, mais aujourd'hui nous nous sommes retrouvés, nous savons qui nous sommes. Cantique de Cantique 1 verset 5 et l'obinini qui est dit le premier chapitre des Cantiques à son cinquième verset. Albi fille d'Abraham, je suis noire et je suis belle. So ba fille d'Abraham bazabanani batu mwindo. Légue-moi aussi à Jérusalem. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5. Derby. Je suis noire, mais je suis agréable. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kedar, comme les tentures de Salomon. Alléluia. Amen. Amen. Bandeko, bien-aimé, ngonga oyeba race na yo. L'heure de reconnaître oyeba origine na yo. Reconnaître ton origine. L'Afrique. Afrique. Le berceau de l'humanité. Yangonde bitumba ya l'homme noir africain. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui totali Yesu, Jésus abimi na lignée Abraham selon la parole de Dieu. Est sorti de cette lignée selon là, Matthieu, chapitre 1, verset 1, tout à l'heure dernièrement. Et au Kumuna, ce que la parole de Dieu dit ici, Moutou ako wangana, koyaya Yesu na mousoni. Bible lobi, Aza Antichrist. So il faut tout dire. Pourquoi aye et a choisi Kulata Poso Boyo? Pourquoi? Pourquoi il est venu? 1 Jean chapitre 4, verset 2 et 3. On ne peut pas relier ça. Aye na mousoni, na mokili, et à latin zoto ya moto. Et Bible lobi moutou ako wanga na elokoana, Aza Antichrist. Amen. Et pourquoi il a choisi cette peau? Demande à Pona qui pour ce rôle. Voilà. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Verset 2 et 3. Bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Voilà. Verset 2. Par ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Voilà. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. Alors, mais tout esprit qui ne confesse pas que Yesu aye na mousouni. Ils vont dire, et tant que vous avez dit, pourquoi il avait pris? Parce que la Bible nous a bien dit. Le mandat est voilà. Verset 3. Et tout
esprits qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, et ceci est l'esprit de l'Antichrist. Voilà. Duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. Voilà. 4. Pour vous, enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, en moi, en nous tous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Le merci. Amen. Ok, Lingala. Version Lingala, 1 Jean chapitre 4, versets 2 et 3. Telandenge bokoye ba moli moyanzambe. Prophète nyo soye ndi makate Yesu Christo, akoma ki penza moto loko la biso. Yende azali moli mo oyo e uti na nzambe. Verset 3. Kasi prophète nyo so, oya kamati Yesu na ndenge wana te. Azali na molimo ya nzambe te. Azali na molimo oye uti na monguna ya Kristo. Voilà. Oyoka kite molimo yango elingi koya. Pesi koyo esi ekomi awa na mokili. Esi ezali na mokili ba antichrist ba lingi Yesu te. E bazo combattre Yesu masia na ba loi na ba kambo ebele. L'antichrist est déjà là et il combat Christ par nombreuses lois. 2 Jean chapitre 2 Jean chapitre 1 verset 7. Nous allons lire dans le livre de 2 Jean chapitre 1er verset 7. Oui. Nous allons lire dans Apocalypse 1 la révélation de Jésus-Christ. Oyo Paul a moni na il y a Patmos. Yes. 2 Jean chapitre 1er verset 7 Darby. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde. Oui. Ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Oui. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. Version Lingala ya lelo. Oui. Verset 7. Batomingi ya lokuta ba panzani awa na mokili. Baboy kondimate Yesu Kristo akomaki moto pe ayaki awa na mokili. Moto aboy kondima boye azali moto ya lokuta pe monguna ya Kristo. Voilà. Sadi Yesu aye na mzoto alati nzoto. Christ est venu dans la chair. Ça na legito établi yango. J'aimerais que cela soit établi. Mutu akowanga na ngo balobi aza munguna ya Yesu Masia. Celui qui va le nier est aza antichrist. Il est antichrist. Et Jean a moni vision ya Yesu. Ataliso denga aza. Daniel be alobi Jean ataliso na il y a Patmos denga a moni vision. Makolona edenge ezali na lito tangango kana yobongo to clotre kuna pasikoki na tanya ote na usepilate to clotre kuna. Apocalypse chapitre 1er à partir du 12e verset. Oui. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné na dingi o zunga na 8 papa pour na bonne compréhension. Verset 8. Apocalypse 1 8 à 15. Moi je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Lingala. Kolonzambe anguya nyonso oyo azali azalaka pe akoya alobi boye. Ngai nazali ebandeli pe suka. Verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Ngai ndeko na bino Yohane na lisanga na Yesu biso nyonso tozali komona pasi tosi tozwi bokonzi pe tozali kokanga mitema ndenge moko. Bakangaki ngai pe batindi ngai na esanga ya Patmos mpo nazalaki koteya maloba ya Nzambe oyo Yesu Kristo ayela bato. Verset 10. Je fus en esprit dans la journée dominicale et j'eus derrière moi une grande voix comme d'une trompette. 11. Disant, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Verset 11, verset 10 et 11. Na mokolo yankolo, molimo akote la kingai. Bongo na yoka ki sima nangai mongongo moko ya makasi, ezali koyoka na lokola kelelo elobi. 11. Makambo ozali komona,
koma yango na mokanda petinde yango na ba ecclesia oyo sambo Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie pe Laodicée. Verset 12. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept lampes d'or. Et au milieu de ces sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils d'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Verset 12. Nabaluki ponata la soki nani azalaki kolobanangai. Bongo na moni ba mwinda samboya or. Verset 13. Nakati yango na moni lokola moto moko atelemi alati nzambalana mokaba ya or na tolo. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Moto na ye pe suki na ye ezalaki pembe makasi lokola bapoale ya pembe lokola mbula ya mabanga miso na ye ezalaki lokola moto ezali kopela. 15. Et ses pieds semblables à de l'airain brillant comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Makolo na ye ezalaki lokola ebende ya talo oyo bapetoli na moto makasi, pe mongongo na ye ezalaki lokola lokito ya mayi ya ebale monene. Makolo na ye ezalaki lokola nini? Lokola ebende ya talo oyo batie na kati ya moto makasi. Tango ekoti na moto ekobima, esili moto ezalaka kolor nini? Mwindu. Ezalaka couleur mwindu. Nyonso wana ezotalisa biso ke toza descendant ya Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Bien aimé. Molingami. Ngonga nangai kei. Mon temps est épuisé. Mais na kolinga soiba otanga ba version makomi bale bongo to clôturé. Esengeli oyeba origine nayo, oyeba source ya makambo oyo ezokomila yo na tango oyo. Version français courant. Apocalypse chapitre 1, versets 14 et 15. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige, ses yeux flamboyants comme du feu. Cheveux naïe eza pembe comme de la laine. Laine. Sikoyo, nani, laine e wuta kanini? Kouton. Kouton eza nini? Eza pembe. E wibine kouton eza laka. Yango zomu na suki, neti kouton. Alléluia. Amen. Yango monike suki ya Samson atant que un Nazarite neti ya barasta oyo Delila ye po so po yeba ke batu wana yonso baza batu boso mwindu na ye na destruction ya suki na ye ezotalisa ye talisa biso ke aza boso mwindu. Verset 15. Ses pieds brillaient comme du bronze poli purifié comme au du bronze poli purifié au four. Bandela, verset 15. Verset 15. Ses pieds brillaient comme du bronze poli purifié au four. Ce qui est bronze na moto et comme il m'a dit, noir, clair. Ce qui est pied, c'est l'on dengue à Monica la Makolo. Parce que tu n'as pas de mon révélation, tu n'as pas de mon révélation. Parce que pour les brillances, mon corps est mais quand même, à moni makolo. Même description Daniel Pierre Moni. Pour tel, c'est ok. Aza Peza, descendant ya Abraham. Amen. Aza Aye na mokili na poso noir. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui va relier que Yesu Aye na mokili na nzoto. Aza Antichrist. So pour y avoir problème n'a poso noir, pourquoi ils sont combattus, chassés, éliminés, tués par-ci, par-là. Tous la race, le peuple choisi de Dieu, les descendants d'Abraham. Bisonde to kataka nginga. Bisonde to petisa kakake. Bisonde to kanga kambula, to tinda kambula. Tout ça est un indice. Ya origine nabiso et ba pengi Afrique Arkepoulan pour dire mère de l'humanité, jardin d'Eden. Amen.
prochainement. Donc, en profondeur, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier. Je prie. Révélation. Par cette révélation. Que tu comprennes qui tu es. Oh Zanani. Zambi alobelibiso alobi mon peuple. Sont détruits faute de la connaissance. Deutéronome 28 à l'obéir. Si vous allez me obéir, ceux qui beaucoup tous obéir à ma voix, à ma commandement, je vous élèverai. Je prie que chacun de nous, que nous revenions à Dieu en vérité. Na Yesu Masi, au nom de Jésus-Christ. N'assemble esprit à obéissance. Je prie que l'esprit d'obéissance élate à chacun de nous. Revête tout un chacun de nous. Na kombo na Yesu Masi, au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis de tout mon cœur. Et n'ayez-vous réfléchi sur ces paroles. N'ayez-vous manié la maloba oyo. N'assemble Zambi à fungo la misu na yo. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Okoba komi so sola oza race. Yanani, aux descendants, Yanani. Que tu continues à comprendre de qui es-tu descendant. Alobi parce que parmi yebite yango ana bazo souffrir. Il a dit parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont, voilà pourquoi ils souffrent. À partir de là, à partir d'aujourd'hui, n'assemble misu ya molimo sant, misu ya molimo nayo e fungwa mi libela na libela. Je prie que les yeux de ton esprit soient illuminés. Et longa isa la partage na. Et la victoire soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu. Amen. Bon dimanche à vous et bonne réflexion. Même temps, 7h du matin chaque dimanche et mercredi 10h et vendredi à 17h. Que Dieu vous bénisse. Le temps de témoignage. Voilà pourquoi Franciliana Bengi de Bi Brazzaville, papa Anzoto Abbasé Vimangaï, papa. Vraiment mon colo, tout ça la qui prière, tout ça la qui dimanche. Naï, Nati, le bon côté, Naïkran, t'as commis que ça me la n'a mon ben, vraiment, papa, lobby vraiment Natala. Et s'il est vraiment papa, Natsong, c'est ma tonne du Mingi, merci, papa, n'a pas eu ça, les plus au papa, Zamba, pas qui s'est le pamboula, papa. Bisobe to landaka yo depuis Brazzaville to landaka yo papa maté ya malamu maté na yo échanger que biso vraiment répondre la biso mon bana nga peka libumwa ko soyer kaka likola maté ya simba ki écran libumwe sila ki ye merci papa na singi merci miki etela Yesu maboko makasi. Est-ce que Simba Kazambe? A partir de là, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na ligne ya batu ba isapa makambo ya tenywa.